Et nous sommes de retour pour plus de God of War Ragnarok. Nous sommes sur une nouvelle zone, donc on va faire que du secondaire. Et ça a l'air d'être très grand. C'est Vanheim, les plaines de Vanheim en fait. Il y a plein de petites quêtes, il y a plein de trucs à faire. Donc je pense qu'on va en sortir très puissant en fait d'ici. Donc je suis content. En tout cas, on est là. On a déjà tué un mangeur d'âmes. Il y a un corbeau qui se cache. Je crois. Et il faut aller sauver nos... Le vagabond. Il est juste là. Oh yes. Oh, attends, par contre, j'ai vu qu'il y avait un pot. Il y a nos nains favoris. Génial, on peut déplacer le soleil et la lune. Merci. Merci. Comment on fait? Ah oui, pour les corbeaux aussi au passage. On n'est pas retourné. Récupérer les coffres, ouvrir les coffres. Je sais plus ce que ça nous avait donné la dernière fois. Par contre, comment je fais moi pour... Attends, là. Ouais. Ce lieu a mal vieilli. Qu'est-ce que ce sera? Les nouvelles armures. Alors, placera en écailles de dragon. Wow, comme c'est joli. Classe. Les blocages et parades renforcent progressivement la force et la défense par tranche. Se réinitialise lorsque des dégâts sont subis. Une armure élaborée à partir des meilleurs morceaux de dragon et de Dreki. Sa création est des plus mystérieuses car personne n'a jamais tué assez de créatures pour la fabriquer. Griffe de dragon et dents de dragon. On peut la faire. 14 000, on va pas la faire. Mais c'est intéressant. Intéressant. Et après on a quoi? Épaulière de chasseur. J'aime pas ce style d'armure. Moi je préfère les armures pleines, genre comme ça. Ou même comme ça. Enfin, bref. Maintenez L2 pendant plusieurs secondes, augmente temporairement les dégâts des attaques à distance. Ah. Je me demande si on va pas en avoir besoin pour combattre le chasseur. Ah putain. Le dragon. Une armure conçue à partir des bêtes les plus féroces du cratère de Vanheim. Elle offre une excellente protection tout en faisant office de trophée rappelant l'exploit de son porteur. Renouveau de défense et force. Alors là, ça fait quoi? Augmente tous les dégâts de bouclier et les blocages ou parades réussies infligent désormais des dégâts de bouclier aux ennemis alentours. Intéressant. Et le chasseur augmente les dégâts de toutes les attaques et capacités à distance de Kratos. De 20%. Un besoin spécial? Pas mal. Et le petit? Non. Bon, on va augmenter notre armure, je crois. Là, les lingots Asgardiens, on en a eu pas mal, là. On en a eu pas mal. Ça fait plaisir. Donc, ouais. Ouais. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Une armure conçue dans l'esprit des âmes des berserkers qui ont combattu pour leur roi, dans la vie et dans la mort. Alors, on fait voir. On peut... Il en faut 3. Après, c'est des vestiges trempés. Il en faut 3. On peut le faire 2 fois, du coup.
nous faut de l'argent. Putain, il nous faut toujours de l'argent, c'est ouf, quoi. Ouais, donne-moi tes trucs. Allez, envoie-moi ça. On a je prends. On peut vendre de l'acier de nain aussi. On a pas vraiment besoin. Eh ben, quand tu veux. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Oh putain. Encore de l'argent. Ça fera un joli fourbi. Enfin, pas de l'acier nain, ça là. Ah si, c'est acier nain aussi. Mais c'est de meilleure qualité, je crois. Oui, c'est le plus gros en fait. Ok, ça marche. J'ajouterai ça à la pile. Ça m'évitera d'aller en chercher. Exactement. Parfait. Voilà. Alors c'est quoi? C'est cristal étincelant. Je connais pas. Et là c'est vestige trempé. On peut faire ça. Enfin c'est 25 000, on va attendre. J'ai pas envie de... Cristal purifié. Ah, on en a récupéré des cristaux purifiés. Donc ça veut dire qu'on peut, on peut les avoir ici. Cool. Fais voir un peu notre niveau 6. C'est bien. Très bien. Très content. Je crois qu'il y en avait un deuxième. Ah, portail, yes. Ah, trouvé. Yes, 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 yes. Ah putain, il va nous casser les couilles longtemps. Retourne à son repère. Ok. Encore un peu. Cool. Ah, il va nous faire chier longtemps, lui. Hein. Attaque runique puissante. Ouh, pas mal. Coup plongeant à longue portée qui percute les ennemis avec une force considérable. Au moment de sauter, génère une puissante rafale qui déstabilise les ennemis. Maintenir R2 permet de charger l'attaque pour en augmenter considérablement la puissance. Ouais, pas mal. Donc là, on a quoi? On a plus du dégât. Et là, c'est plus de force. Intéressant. Intéressant. On avait dit qu'on voulait tester... genre ça. Puis sur au moment de frapper, j'ajoute une rafale tranchante supplémentaire. On va la mettre juste pour voir un peu, pour tester ce que c'est, ce que ça fait. Enfin, comment on peut l'utiliser. J'ai rapporté ton rouleau, esprit. Et je suis à nouveau entière. Je peux enfin livrer mon message. Ton commandant est mort depuis longtemps. Bien sûr. Odin a envoyé Thor prendre le contrôle de la vallée. Mais je suppose qu'il est trop tard maintenant. Ne vous en faites pas, on s'occupe des As. Maintenant, dis-nous ce que tu sais de ce jour. Je me rappelle être entré dans une halle à Hydromel et y avoir vu Thor. Vous savez ce qu'il faisait là? La rumeur colportait qu'il cherchait un avant-poste militaire van. Je ne voulais pas avoir d'ennui, alors j'ai filé. C'est la dernière fois que je l'ai vu, mais peut-être d'autres en savent-ils plus. Je me demande si Thor avait rendez-vous dans cette halle à Hydromel. Wow, Thor et Mer se seraient vus là-bas? Fey n'a jamais bu avec moi. Elle ne l'aurait pas fait avec lui. Il arrive qu'on ne connaisse pas très bien ceux que l'on aime, mon frère. C'est vrai.
C'est triste, mais c'est vrai. Il y a une épée par terre. Alors, on a récupéré... Croc étourdissant. Frapper un ennemi étourdi génère des ondes de choc et une chance d'augmenter vos dégâts de force et d'étourdissement. Effet cumulable. Croc qui se renforce à mesure qu'il plante dans l'ennemi étourdissant. Qu'il se plante dans l'ennemi étourdi. C'est pas mal. Ah, intéressant. Là, il faut 220 de défense. C'est beaucoup quand même. Hein. Un croc étourdissant. Je sais pas. Après, frapper un ennemi étourdi, la plupart du temps, on le fait pas. On fait R3, donc on fait directement R3, donc faudrait jouer différemment. J'aimerais bien mettre ça là, par attaque runique, parce que c'est vrai qu'on le fait souvent, mais... Je pense pas qu'on puisse enlever l'idole de pierre des âmes pour le moment. Après, c'est vrai, j'avoue que le régène est très très petit, mais... Enfin, le vol de vie, pardon. Le vol d'âme. Le vol de vie. Il est petit, mais c'est utile quand même. Ça, on fait tellement de dégâts quand il y a beaucoup d'ennemis. Dégâts en AOE en plus. Oh là là. Il va revenir ce con? Ou pas? Si je combats eux là. Voilà, les full rage. Ok, très bien, c'est l'heure de changer. C'est quoi ça? Oh, il y a différents ennemis et tout. Oh là là, ça tue. C'est trop bien. Pas ouvrir ça? Non. Gare au dragon! Ah putain, il nous fait chier le dragon. Ah.
Oh, le bruit. Ça tue. Très bien, défoncer le machin. Un truc que je voulais dire aussi, dans les options, il y a un truc pour le son. Alors je sais pas après en vidéo si ça rend bien, mais il y a un truc, c'est marrant, moi j'ai mis... Bon, j'ai baissé un peu les musiques, les effets pour garder les dialogues assez haut. Mais il y a un truc où... Calibrage de l'audio, je crois que c'est ça. Ouais, les balances sonores en fait. Vous pouvez mettre équilibré, genre ça équilibre les sons. Après il y a faible, genre tous les sons forts en fait vont être vachement affaiblis. Bah en fait c'est écrit hein, de toute façon. Ou après genre les sons forts sont accentués. Je trouve ça vraiment bien en fait. Pour quoi de foire. Alors des fois ça gueule et tout, mais c'est intense et tout. Moi je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, on va avancer parce que l'autre il risque de revenir. J'aimerais qu'ils ressemblent aux dragons de Midgard. Ils étaient gentils. C'était surtout des nains sensibles qui avaient été transformés en dragons. N'empêche. Où est-ce qu'on va ? Ah, il y a une tortue avec leur arbre sur la carapace. Putain de merde. J'ai esquivé ça, mais c'est pas grave. Ouais, ok, d'accord. Bon, là on a compris le problème de cette attaque. Après, bon, foncer dessus, je pense que je serais mort aussi. Mais bon. La pierre de Berserker, je l'utiliserai seulement pour le dragon. Et encore. Et encore, pas sûr. Ah putain de truc de merde. À la con. Mais il était tellement lent à commencer à me foncer dessus. J'ai en gros du coup mon esquive a été nettement trop tôt car il a pu me suivre en fait. Quelle merde. Quelle grosse merde. Là, ils sont relous. Va falloir faire gaffe si j'utilise le Bifrost. Ah, putain de merde.
parce que moi je prends grave des dégâts, il one shot direct. Mais ils servent à quoi ouais. Ouais, il est vachement lent. Toi quoi. Apparemment ça l'a pas touché quoi. J'ai pas appuyé deux fois. J'ai fait un seul air, pas deux. Après ce que j'ai fait c'était du croix pour me... Et vers l'arrière. Mais bon c'est pas grave. Des fois il faudrait que je prenne un programme. Je sais pas si c'est possible avec la PS4. Pour montrer les touches que je fais. Honnêtement, en temps réel. Parce que putain, ce jeu. Problème de touche, quoi. Je comprends pas à quoi ils servent. Et la truc. Merde, putain, mais arrête Kratos. Oh la vache, je l'ai eu. Exprès en plus, hein. Ok, j'avais oublié que c'était comme ça. Il fait exprès de mettre un temps. Il se frise et tout le machin, c'est trop bizarre. Nique-toi.
Qu'est-ce que c'était? Le journal qu'il a perdu nous en dira peut-être plus. La voix du mensonge. Écrit par Birgir. C'est peut-être lui qu'il était venu chercher. Ah ben putain. Ah, la fin, full courroux, hein. Le machin. Ah, oh, un autre cristal. Gardons-le de côté, le temps de savoir ce que l'on peut en faire. Full courroux sur la fin, parce que putain, laisse tomber, quoi, le machin. Laisse tomber. Bien relou. Où est-ce qu'on est? Dans un temple? On l'a coincé! Ah merde, c'est parti! La terreur pour. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas du tout ça. Putain, mais je fais un truc super bien et... Ah, ce L1 de merde. Faut mettre le coup de bouclier autre part. Je vais être honnête, faut mettre le coup de bouclier autre part. Je sais qu'on peut le mettre sur le pad tactile, là. Mais putain de merde, quoi. Qu'est-ce que ça me fout dans la merde, souvent. Alors, attendez, désolé, mais... Je vais regarder s'il y a vraiment... On peut pas le changer, ça. Je sais pas comment... Je sais pas si on peut... Parce que putain... Bloqué paré... Désolé, hein, j'aime pas faire ça, mais... Style de blocage L1, maintenir, activer, désactiver, non... Style de visée non plus... Je sais même pas sur quoi on pourrait le mettre, en plus. Je sais qu'on peut mettre ça, genre... Genre coup de bouclier ici. Voilà. Mais bon. C'est de la merde, quoi. Mais c'est juste que je sais pas. Ou il est trop sensible, ou je sais pas. C'est moi qui fais de la merde, comme d'habitude. Peut-être ça. Bon. Le dragon, il a pas l'air trop compliqué. Il est plein de pics déjà. Ugh!
Ça le poursuit et tout quoi. Quelle merde. Ma rage, elle a changé. C'était plus Kourou que j'avais. Et je pouvais pas l'activer en plus. Je crois qu'il y a un bug là par contre. Je crois qu'il y a un bug. J'avais la fureur normale et je pouvais pas l'activer en plus. J'ai fait L3, R3 plusieurs fois. Là, vous avez qu'à revenir en arrière. Hein. Il y avait deux barres, deux grandes barres de fureur. De rage partiate. Et j'ai pas ça, moi, j'ai le Kourou. Très bizarre. Très bizarre. Bon, maintenant on est full vie, ça devrait aller. Bon, ça va, il est pas très dur, honnêtement. Il est fun, par contre. C'est vraiment fun à combattre. Ça me rappelle Dark Souls, moi. On l'a coincé! Merde, deux. Ah, ça tue. Faudrait les chiens là. Let's go.
Ah, yes. Ah, il va lui mettre le feu. Oh. On n'a plus qu'à retrouver Birgir. C'était cool. Ouais, ça, c'était tough. Ah ben j'avoue, là, combattre un dragon avec une lance, c'est pas pareil. Là, c'est classe. Là, c'est stylé, ça. Ça, c'est stylé, stylé. J'entends un corbeau. Où est-ce qu'il est, ce con? Alors, on va voir un peu ce qu'on a récupéré. Compétences. Ah ouais, tu m'étonnes qu'on a fait des trucs là. Dégâts, étourdissement, protection. Ah, je dirais étourdissement. Les dégâts sont pas très élevés, donc autant faire étourdissement. Ah, c'est vrai que ça aussi c'est bien. Maintenant, siphonner l'élément d'ennemi avec la lance. Alors. Ah, le combat était top de chez top. Alors, on a ça. Renouvellement et chance. Ouh, renouvellement 20. Super élevé. Super, super élevé. Alors ça va attendre. D'abord, je voudrais sauver le mec. Ah. Ah, merci beaucoup. Non, merci à toi. Tu nous as sauvés sur le bateau. Pas vrai, père? C'était stupide et appréciable. Il y a un accès mystique non loin, mais je n'ai pas la pierre adéquate. Nous si. Je n'arrive pas à croire que tu aies survécu à la chute. Comment tu as fait? J'ai roulé. À bientôt. On peut lui parler encore ou pas? Non. C'est quoi ce machin? Oh! Hé, le balèze! Le chef a besoin que tu persuades ce cerf de regagner l'arbre monde! C'est le chef qui a besoin de toi, compris? Pas moi! Moi ça va! J'ai l'estomac rempli de fourrage! La belle vie, quoi! Enfin bref! Va le voir dans le monde entre les royaumes quand t'auras un moment. D'accord. À chaque saison son cerf. Je n'ai pas besoin de ça. Nous nous reverrons peut-être au camp. Et dans d'autres circonstances de préférence. À plus tard. Merci de nous avoir sauvés aussi. Il y a plein de trucs à faire, c'est bon. Derrière étant sauvé, on peut partir d'ici. Ou continuer à explorer si tu préfères. Yeah! Exploration, gros. Birgir porte les armes d'un vagabond, mais il a quitté la fausse voie d'Odin pour prêter serment à Freyr et défendre Vanaheim. Son acte altruiste nous a permis de fuir à bord du. Oh mon dieu. Du Skjoblaionir.
Et nous l'avons craint perdu à jamais. Je suis content que nous ayons pu rembourser notre dette et le sauver en retour. C'est un brave et honorable guerrier. Ouh! Ronde des 9 royaumes. Chance modérée d'activer le glissement de royaume et de ralentir temporairement les ennemis aux alentours à chaque parade. Oh la vache. Ah putain. Je pense que honnêtement. Alors moi je vais pas le faire. Parce que c'est pas mon style de jeu. Mais vous mettez ça sur le. Celui des parades là, le bouclier des parades. Enfin, en fait, vous pouvez le mettre sur n'importe lequel, hein, parce que il y en a plus. Enfin, non, pas n'importe lequel, en fait. Non, pas c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui font de la parade, par contre. Mais à la limite, ouais. Vous mettez sur ça, vous avez une chance de ralentir le temps. Avec les armes, vous pouvez ralentir le temps. Avec la relique, vous pouvez ralentir le temps. Donc bon. Ah, vous pouvez faire un truc intéressant. J'ai envie de tester un peu. Ça peut être extrêmement puissant. Allez, on y va. Ouf, oh la vache. Ah putain, c'est un Nidog. Ok, cool. Je l'ai. Me revoilà. Ne fais pas attention, je sais que tu ne veux pas de moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu n'en as pas eu besoin. Je sais pourquoi le chef m'envoie le plus souvent. Je suis insupportable. C'est pour ça que tu me hais. Tu n'es pas mon ennemi. Tu es insignifiant, un étranger. Alors tu ne me méprises pas? Tu ne m'inspires ni mépris ni estime. Pour être honnête, c'est un soulagement. Je veux dire, oui. Toi aussi, tu n'es qu'un étranger. Pourquoi me soucier de ce que tu penses? Maintenant, tu comprends. Fabuleux, mon bon Kratos. Je suis ravi d'apprendre que nous ne comptons pas l'un pour l'autre. Casse-toi! Je ne sais pas si c'était, disons, la meilleure des leçons, mais nous verrons bien. Magnifique. Magnifique. Alors, du coup, on n'a pas fini. Hein. Il y a encore des trucs à faire. Là, par exemple. Là-bas, 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 là-bas. Alors, comment on y va? Par ici. Chemin là? Non. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de me dire de prendre la porte? Non. Oh. Encore un mystérieux cristal. Grand morceau de cristal trouvé dans le cratère. Oh. Très bien. Ah mais du coup on n'a pas utilisé notre pierre de berserk. Ça va. Ça fait plaisir. Ah, maintenant c'est descendu ça. Yes. Encore les fanatiques. Alors, on verra ça après. Il y a un temple, il y a une grotte. Oh mon dieu. Il y a un cristal là-bas.
parfait. Je vais être franc, je crois qu'on est un peu plus haut niveau que la zone. Même le dragon, il était vert. Donc ça veut dire qu'on était plus haut niveau que lui. Je pense que c'est parce qu'on a fait des tombes. On a fait beaucoup de tombes qu'on n'était pas censé. Quand j'ai édité les vidéos, je suis regardé un peu. Il y en a un, il était quand même... que j'ai fait. Il était... bleu foncé, là. Donc ça veut dire qu'il était un niveau... Non, deux niveaux, je crois, au-dessus de moi. On peut remonter un peu. Donc ouais. On a fait des choses qu'on n'aurait pas dû. Pas à notre niveau, en tout cas. Mais c'est cool, du coup. On est un peu plus puissant. Quel dommage. Une rivière coulait ici, autrefois, donnant vie à une faune et une flore très diverses. Qu'est devenue cette rivière ? Odin y est pour quelque chose, n'est-ce pas ? Oui, il l'a barrée. Pourquoi s'épuiser à combattre l'ennemi quand on peut le priver de sa source d'eau ? D'abord la sécheresse, maintenant des dragons. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Ça passe. Est-ce que ça peut ralentir le temps ou pas? Yes. Putain de toi, quoi. L'autre il est tombé aussi. Bon, au moins vous avez vu que ça fait hein, de ralentir le temps. Bon, ça reste pas longtemps. Hein. Mais bon, c'est fait. Alors moi, je veux ça. Je veux ça. Ou après, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Moi, il n'y a pas vraiment de trucs qui m'intéressent en fait. Parce que moi, les parades, je le fais pas trop. Moi, je bloque surtout. Après, les coups de bouclier font pas extrêmement mal non plus. Donc, coups de bouclier contre les ennemis atteint un état, consume l'affliction, générant une explosion élémentaire qui inflige des dégâts. À la limite, ça, ça peut être intéressant pour moi. Mais après, bof. À la limite, moi, ce que je ferais, je pense que le rond de volonté, là, je crois que si jamais on le montait au niveau 7, je crois que c'est pareil. C'est celui-là qui donne plein de stats. Peut-être qu'on mettra celui-là. Mais bon. Faut voir. J'ai bien mis le bon. Rond d'absorption. Ouais. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fout là. C'est de l'exploration. C'est cool. Une chose imposante est passée par là. Attention. Il avait pas parlé d'un Léviathan, là? Qui aurait gelé un éclair de Thor? C'est un autre poème de Kvasir. Qu'est-ce qu'il fout là? Une expérience scénarisée d'après Kvasir. L'épée dans la pierre, la fourrure dans l'os, des bâtons qui crachent le feu, la colère du loup et de sang, chevalier sans armure, combat surnaturel, l'espoir s'évanouit et soyez prêts à l'aube. C'est quoi, c'est Skyrim ça? J'en sais rien. Ou alors c'est... Le roi Arthur. C'est quoi ? Oh la vache ! Empreinte de dragon.
C'est la bonne direction. Si tant est que se jeter dans la gueule d'une bête affamée puisse être considéré comme la bonne direction. Ah mais on revient vers une forêt là. La chose qui a fait ses empreintes, elle a couché ses arbres comme des roseaux. Sois prudent. Je suis toujours prudent. Ah ! Misère, tu es sérieux. Qu'est-ce que c'est ? La jungle. Région secrète. Oh mon dieu. T'es sérieux là ? Un ogre ! On ne passera pas tant que cette bestiole cherchera à nous assommer. Alors nous devons nous approcher. Comment on passe ? Ah, il le protège. Ouais, va falloir passer de l'autre côté. Quel bordel. Oh, bonjour. C'est super cet endroit. Ça doit être la meilleure le meilleur endroit du jeu, honnêtement. Secondaire. Impasse. Et maintenant ? Encore un de ces mystérieux cristaux. J'ai l'impression qu'ils sont plus sympas aussi. D'accord. Merde. Putain de quoi. Dans la merde. Ça me fait quoi ça en fait ? Ça fait rien ? Je suis passé dans le bleu mais je sais pas, j'ai pas eu grand chose. Eh ben. Très bien, ça fait des pierres. Je fais le tour avant d'avancer. Ah, je suis en train de réfléchir là pour l'amulette. Genre, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre à la place de l'idole des pierres des âmes ? C'est sympathique, mais est-ce que c'est vraiment très très utile ? Je sais pas en fait ce qui pourrait être utile. Dans le courroux pour faire plus de dégâts. 9 royaumes. Croix étourdissant.
pas. Peut-être ça. On va voir. On va mettre... on tue et on régène de la vie. J'ai appelé les chiens du gosse. Je sais pas où ils sont passés. Hein. Les chiens, je crois qu'ils sont... Ils ont été bloqués par le terrain, je crois. Là, ils ont fermé les vannes. Oh lol, la blague. C'était une blague. Waouh. Tu en es sûr? Moi, je trouvais ça drôle. Allons voir cela de plus près, d'accord? Qu'est-ce qui est drôle? Odie Odin, nous pourrions atteindre l'autre côté de ce canyon si l'eau coulait encore au milieu. Putain, on va remettre l'eau et tout, ça tue. Ça, c'est de l'exploration. Ça, c'est du fun, ça. Ça, c'est cool. C'est bien fait. Oh, putain, c'est quoi, ça? Il y en a deux, en plus. Et il y en a trois, en plus. Et où mon régène de vie? Hein? Il est où mon régène de vie? Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Moi je l'ai pas vu. Hein. Je demande un replay. Je demande un replay. Une seconde. C'est tué. Pourtant, j'ai tué le dernier, non? Ouais, mais attends, c'est une chance, en fait. Chance très élevée. Ouais, non, c'est une chance, en fait. Ça veut pas dire que je vais l'avoir à tous les coups. Ça marche, pas grave. Un truc qu'on fait, est-ce qu'on augmente, du coup, ça? Parce que je pense que les dégâts se valent. Je pense que ça va, c'est bien. Cette attaque, elle est top, cette attaque. Celle-là, on va pas la prendre. Celle-là. Enfin, les trois attaques, honnêtement, elles sont sympathiques. Mais j'avoue que celle-là... On aura dégâts au max et de la force. Ça, c'est quoi, ouais, celle-là, c'est la plus simple, mais c'est la moins efficace. Celle-là, elle est trop chiante. Bon, on va prendre ça. Voilà. Et je commence à bien l'apprécier, en fait. Surtout le fait qu'on puisse toucher plusieurs cibles. Calme-toi, la plante. Je sais pas comment rendre. Je me demande s'il nous mènerait au barrage. Bon, on va voir. On sait à ces créatures mourant de soif. C'est... Ça me met en colère. Exploite-la, mais ne te laisse pas déborder. Un autre rassemblement de Seisra. Tu sais ce que tu as à faire, mon frère. Libère-les. Beaucoup de séistres par ici. Peut-être que Freya sait pourquoi. J'ai eu le regain de santé. Je crois qu'il est un...
important. Je suis pas complètement sûr s'il est vraiment très élevé. Faudrait. C'est un peu difficile. Comment on fait pour entrer? Ben voilà. C'est un peu difficile de juger en plein combat, mais. Qu'as-tu appris, mon frère? Impardonnable. Ok. Bon bah. Il y a quelques petits défauts en jeu. Il y a peut-être quelques petits bugs. C'est marrant de. Que ça soit passé comme ça. Alors il est sorti trop tôt. Honnêtement, il n'y a pas de bug qui casse le jeu. Ah oui, à un moment, on a passé à travers le sol. Mais honnêtement, il y avait plein d'ennemis qui nous poussaient contre la paroi et tout ça. Et on a fait une animation en même temps. Donc, pour moi, je trouve que c'est limite normal, quoi. Mais ouais, les petits bugs de menu, là. Oh mon dieu. Encore un Drake. Il mangera tout ce qu'il trouvera sur son passage. Traquons-le. Elle est où? Cette Noken soigne ses alliés. Aoka. Ça m'a secoué le crâne. Vas-y, occupe-les avec tes chiens. Putain, j'ai dit d'occuper avec tes chiens, bordel. Tu crois que la manivelle nous aiderait? Je ne crois pas qu'on puisse traverser. Pas encore, du moins. Honnêtement, j'aurais pu juste les balancer dans le. Attendez. Dans l'eau. J'ai une histoire. Qu'y a-t-il? C'est une histoire de bataille. Celle d'une femme aux cheveux clairs affrontant le plus puissant de tous les dieux. Quelle femme? Développe. Mais. Les détails m'échappent. Je tenais ma chope d'hydromel et j'étais impatient. Oui, à l'idée de me réconcilier avec un vieil ami. Mais une terrible chose s'est produite. Je crains que cette terrible chose ne fût ton trépas, mon ami. Je sais que ce n'est pas tout. Trois bassins, je les voyais, tous les trois. S'il vous plaît. Aidez-moi à me racheter auprès de mon ami. Aidez-moi à me souvenir. J'ai un bon pressentiment. Je crois qu'il sait quelque chose à propos de mère. Ou pas. Garde espoir, mon frère. Ses réponses ne sont peut-être plus très loin. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah, il reste un blocage par là-haut. Attends, je crois que je peux. Putain, foutre le feu de là. Oh là là. Au cas. La roue doit être débloquée. Parfait. Ah merde. On peut le... Non, on peut pas. Oui, c'est cool. Peut-être qu'on peut accéder à d'autres livres. Cool, cool, cool. Je suis prêt à me saouler dans une prochaine vie. Des poissons. Ah, on les a écrasés.
personne. Le niveau de l'eau a baissé. Je pense qu'on peut traverser maintenant. Ah. On va se mettre de ce côté. Parfait. On va sûrement devoir combattre le Dreki, j'imagine. Les Dreki se nourrissent ici. Tenons-nous prêts. On n'aura pas le temps de tergiverser quand le combat sera lancé. Ça marche. On est prêt. Préparez-vous. Je suis prêt. Bien entendu. Voilà un autre. Merde, ouais. Putain. On fait tellement de... tellement d'habilité et tout. Mais quand j'ai vu le... J'ai aperçu le Dreki, l'autre Dreki dans mon dos, je me suis dit, ah, c'est mort, là. Ça me fait rire. Le truc, on reste genre 2 minutes à faire des habilités, quoi. C'est abusé. Je sais pas si les gens jouent vraiment comme ça. Enfin, c'est le plus efficace, hein, c'est de spammer les habilités. Ce serait débile de pas le faire. Préparez-vous. C'est bien notre bas. Voilà un loup. Et où l'autre? Ah ok. Là. Merde, non. Ah, j'ai pas envie de faire la pierre encore. Je me laisse encore quelques essais sans la pierre. Voilà, j'étais bloqué. Animation comme d'habitude. Mais bon, là, je peux pas l'annuler, en fait. Faut faire le plus de dégâts à l'autre pour le pousser à partir ou le tuer avant qu'il parte. Le premier. Tiens le fort.
Ça va, on commence à... Le barrage ouvert, les terribles Dricky morts, cette jungle me semble en bonne voie pour retrouver sa splendeur passée. Commence à bien maîtriser les Dricky, ça va. Nickel. Alors, par contre, il faut que je m'habitue à ça, à la première attaque, parce que... Donc, ils disent, ajoute une rafale... Oh, attends, c'est ça... Série de rafales longue portée qui déstabilise les ennemis. Puis sur R1 au moment de frapper pour amplifier chaque vague. Il y a un moment de ralenti en fait, où quand je fais du R1 au bon endroit, au bon moment. Je vais être honnête, dans le feu de l'action et tout ça, timer les coups c'est la merde, mais ouais, ça paraît pas mal. On a fini ici. Ouais, parce que des Dreki, ça va, quoi. Pas besoin de... Pas besoin... qu'on sorte une pierre, quand même. Il y a plein de créatures cheloues, quand même, hein. Oh putain, qu'est-ce que je kiffe ce passage-là, là. Dans cette zone, c'est vraiment fun. Regarde, et on a... par ici, l'eau s'écoule. Et on a même pas fini le désert, quoi. Tu as fait s'écouler l'eau. Pour accéder à d'autres endroits du cratère. Oui, mais comme l'eau est de retour, les plantes et les animaux vont aussi revenir. Nous avons guéri cet endroit. Ce n'était pas mon intention. Par tous les dieux, mon frère, fais un effort. L'eau coulant librement, de nouvelles voies s'ouvrent à nous, si nous faisions une balade. Une recherche, pas de balade. Oh, arrête donc. Ne peut-on pas apprécier la nature pour ce qu'elle est, au lieu d'y chercher des trésors? J'aime bien les trésors, moi. Vous êtes indécrottable. J'avoue. Ça serait bien que les nains soient proches, parce que on a pas mal d'équipements, plein de ressources. On peut sûrement augmenter notre armure au max. Enfin, non, notre bonne action semble avoir déjà des bienfaits sur la faune. Je crois que j'ai parlé trop vite. Ok. Terrain de chasse du dragon. Le dragon est perché sur cette structure. On cherche un moyen de grimper? Peut-être. Même passage là, il y a là. Ouais, non, enfin, pas notre plastron, mais. Les gants et la taille, peut-être. On peut le mettre au niveau 8 ou 9, je sais pas. Je sais plus si on l'avait fait.
merde. Poil vert, flanc gauche. Ok, très bien. Oh la vache! Je sais pas comment faire. Il s'est retourné sur moi, putain de merde. Oh quelle merde. Il s'est retourné, il tapait le gamin, j'allais le taper dans le dos. Et son coup, il s'est retourné, il a fait genre un 180 quoi, putain. Un 360. Ah, je sais pas comment charger les coups, là. Je sais pas si c'est des coups amplifiés que j'envoie ou pas. J'en sais rien. Peut-être quand le temps ralentit, il faut juste appuyer. On rattrape pas. Derrière toi ! C'est ça ! J'ai aucune idée si ça a fonctionné. J'ai pas arrêté de faire de la merde là. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule, le régime de vie, c'est nul. Le regain de santé, il est nul à chier. Il est nul à chier. Qu'est-ce qu'on peut mettre ça? Frapper les ennemis étourdis, bof. C'est pas vraiment le truc qu'on va faire. Tourne bravoure, mais on n'utilise pas le bravoure, le courroux. À la limite, on peut augmenter le courroux. On l'avait déjà testé, je sais, mais... Peut-être qu'on peut... Je sais pas. Peut-être que ça sera mieux maintenant. Ah, on peut changer l'heure. Enfin, le temps. Ici aussi.
Putain, mais il y a des endroits partout. En continuant par là, nous devrions atteindre le repère du dragon des airs. Oh. Oui. Je voulais m'assurer que tu sais. Merci. Bon bah, go dragon alors. Il faut qu'on arrive à passer ces ronds. Attends, je peux les toucher de là ? Non. Ah, il est trouvé. Il me gratte le nez, désolé. Attends, comment... Est-ce qu'on peut aller ailleurs ou pas ? Je teste la distance en fait. Ouais, c'était pas assez proche. Ah putain, t'es sérieux ? Putain, ça va partir. Pourquoi j'en tire 4 ? J'en tirais 3. Merde, ça touche pas. Oula, ça me... Non, ça va pas me gaver, tout va bien. Aoka ! Si on fait les petits. Ouais, mais des petits, je suis limité à 3, putain de merde. Ok, là c'est connecté. Allez, dépêche. Ok. Bon. La voie est libre. Murmure du monde. Tu vois un peu ? On a Fandor. Ouais, ça... Honnêtement, je vais peut-être même l'enlever, ça, parce que je suis pas sûr si j'y arrive bien. Alors, attire tous les ennemis avant de les projeter au loin dans la direction spécifique. Ouh, ça peut être intéressant. Augmente les dégâts et la distance de projection. Maintenez R1 en visant pour étendre la durée de la portée de l'attraction. Augmente nettement les dégâts et la distance de projection. Continue à maintenir R1 en visant pour étendre davantage la durée de la portée de l'attraction. Je sais pas. C'est un peu dangereux, non ? Je teste, hein, mais bon, ça me paraît dangereux en fait. Rocher ! Ah putain ! Un ogre ! On ne passera pas tant que cette bestiole cherchera à nous assommer. Alors nous devons nous approcher. Par contre, on va faire ça. J'ai vu ça. Aoka. Ok, je sais pas quel coffre. Ah mais si, on a vu un coffre en bas. Je suis con. On a vu le coffre. Ah là.
Donc c'est quoi? BNE. Attends. Qu'est-ce que tu veux? Es-tu un père? Oui. Alors tu dois comprendre. Mon fils. Ce jouet, c'était pour lui. Maintenant, il n'est plus. Ce jour, tant de chaos et de mort. J'étais paniqué. Je cherchais mon fils. Je t'en prie. Aide-moi à retrouver mon fils à Falkwanger. On va l'aider, n'est-ce pas? Quelle est la dernière chose que tu as vue, esprit? Des statues. Deux statues. Des dragons qui se tournent le dos. Séparés comme mon fils. Ce jouet, il me ramènera à lui. Son histoire est courante dans la vallée. Séparé d'un être cher par la mort. Nous devons le ramener à son fils. En effet. Vraiment? Je pensais que tu dirais quelque chose comme « Réunir les morts est futile ». Pas cette fois. Mais cool, Kratos. Alors, BN. C'est bon, les BN. Alors, il était où, celui-là qu'on a vu? Là. Ok, on a le N. Le B. Ça aussi, les explosions là, ça fait des dégâts. Putain, on peut aller par là quoi. Ça fait des dégâts même au sol, ça c'est vachement bien. C'est comme ça qu'on a tué l'autre là. Enfin, qu'on l'a eu. Emdal. Ah tiens, il y a un truc là. On peut monter. Je pensais que le combat, il avait quoi? Trois formes. Il avait Emdal là. C'est ça son nom? Le mec avec l'orne. La horne. La corne. Même. Il était sur le dos de sa bête. Il était après... Après on l'a combattu... Ouais, trois fois en tout. Mais je pensais que on aurait plus de cinématiques avec lui. Je sais pas. J'aurais bien voulu en voir un peu plus. Oh yes! Nickel. Alors, par contre, là... Un autre cristal. Gardons-le de côté pour de savoir ce que l'on peut en faire. Alors, du coup, je crois qu'il faut aller tuer le géant. On va devoir courir, ça va être fun. Ou alors là. Ah non, non, c'est pour revenir. Non, non, j'ai rien. Allez, go. Ah, on peut pas. Et ouais, est-ce qu'il y a l'ogre? Donc c'est pas par là. Merde alors. Si on change le temps peut-être.
Cool. Il y a des nouveaux ennemis du coup. Ça a l'air tranquille. Ah, il me fait chier lui hein. Bon bah. Bah je sais pas. On peut prendre la rivière. Par contre je vais aller voir le trou qu'on a vu là. Où est-ce que ça nous mène? Ah, un chasseur vit ici. Il est imprudent. Pourquoi cela? Nous sommes chez lui. Un chasseur? Ah. Oh, mais c'est le corps d'un... Oh, je crois que c'était un arbre. Mais c'est le corps d'un ours. Alors ça, c'est dégueulasse, par contre. Bon. C'est bien beau, mais... Bon, bah, un cassos. Ouais, bah là je suis un peu perdu. Enfin, y a encore plein d'endroits à explorer, hein, mais... Bon, il faut trouver un moyen pour aller tuer le l'ogre, là. Ça, il nous fait chier. Il nous bloque plein d'accès, en fait. Putain de toi, ta race. Mystérieux cristal. Désolé, je m'énerve un peu. Pas vraiment bien passé. Bon, celle-là, c'est, ça va pas vraiment... Enfin, elle est sympa, mais ça va pas avec ma façon de jouer, en fait. On va remettre... Ah putain, c'est en charge. Ça va pas vraiment avec ma façon de jouer.
coup, on fait quoi? On fait ça. J'ai plus envie de remettre... celui-là, en fait. Ouais. Elle est simple, c'est une charge, ça me permet de foncer sur l'ennemi. Je me fais pas chier comme ça. Donc pourquoi on est là? Bon. Je vais se tuer des machins. Allez, on s'en va. Ah. Yes. On est à l'endroit de l'ogre, je crois. Si on continue d'avancer, l'ogre nous tombera dessus. Ça marche. Vaut mieux qu'on s'y prépare. À l'attaque! Oui! En charge! Nickel, nickel, nickel. Oh merde. Hey, il était à nous. C'était une autre espèce de pourriture. Il a regagné son perchoir. On doit le suivre. Ben putain. Oh, on a bien joué, putain, c'était top. Qu'as-tu vu ce jour-là? J'étais à la hydromel, Thor était là, avec un étrange compagnon de boisson. Une créature d'un genre que je n'avais encore jamais vu. Avec un fût d'hydromel qui semblait ne jamais se vider. Que faisait-il? Il se saoulait comme on l'a rarement vu. La boisson coulait à flot, on festoyait, tout le monde était enivré. Mais Thor, il était de loin le plus éméché de tous ce jour-là. Mimir, qu'est-ce que cela t'inspire? Thor a toujours aimé boire en compagnie de gens douteux. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette mystérieuse créature. Nous ne sommes pas beaucoup plus avancés, je le crains. C'est au moins une chose. Thor était ivre mort quand la palais a été détruite. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et l'implication de ta mère demeure incertaine. Ah bah le mec, il s'est bourré la gueule, il a tout détruit. Hein. Moi, je vois comme ça. Hein. De toute façon, Thor, il n'a pas l'air d'être plus que ça. Hein. Souvenir fossilisé, 175 de renouveau, régénère progressivement une barrière protectrice qui absorbe une seule attaque. Quand la barrière est détruite, elle produit une onde de choc percutante qui étourdit les ennemis à proximité. Un fossile qui offre un bouclier étourdissant et régénérant. What the fuck? Il faut 175 de renouveau.
Ah bah putain. Alors là, je le vois mal, hein, le renouveau, là. On a quoi? On a ça. La durée des états. C'est quoi? C'est 20. Donc, on passe à 90. Après, bah, on a la deuxième partie. 110. Après, bon, elle est niveau 5, hein. Donc, on peut peut-être arriver à 150 en tout. ...175 quoi, c'est ouf. Je vais voir un peu... Renouveau c'est quoi? Renouveau c'est ça. 20, 12, 12, 10... Je sais pas, c'est ouf quoi. Incroyable. Il faudrait une armure qui fasse que ça. Ouais, mais. Enfin, 175, c'est tellement élevé. Je pense que ça doit même fonctionner avec une seule armure. Il doit avoir une seule armure qui augmente le renouveau autant. Oh, il y a un cerf là. On peut lui parler. Si mes yeux ne me trompent pas, je crois qu'il s'agit du cerf de l'été. Il fait chaud ou c'est juste ma personnalité rayonnante? Non, c'est toi le cerf. Bon, on peut y aller. D'accord. Ah merde. Elle est où la plante? Ah, je me rappelle cet endroit. Où est la plante? Oh mon Dieu. C'est donc ici que menaient les traces. Je cherche la plante, hein. Je vois que dalle. En dessous. En dessous. Aoka ! Haha. Non mais sans déconner, ils sont où les nains là? Parce que putain, on a plein de trucs. Je crois qu'il fallait utiliser ça, cet endroit en fait pour brûler la plante, ouais. Oh oh. Ça, c'est une bonne arène de dragons, ça. C'est parti. Des traces de dragons. Les créatures locales ne sont pas très grosses. Pour qu'un dragon survive ici, il faudrait qu'il mange constamment. Qu'est-ce que c'est que ça? Okay. On n'a pas besoin de la pierre. Bon bah... Oh. Oh mon Dieu, faut être rapide. Une sorte de... cage. Encore
encore un de ces mystérieux cristaux. J'ai bien vu, mais c'était écrit « Attirer le dragon ». La cité des possibles. La cité des possibles, l'état de Vanaheim, Heim, provoquait peut-être une certaine frustration chez l'auteur de ce message, qui devait penser ce lieu à l'abri des regards des Einherjar, espérant pour lui que c'était vraiment le cas. Ouh. Oh. On peut avoir l'amulette au max, je crois. Putain, il nous faut les nains. Merde. Je faisais attention de pas le tuer parce que je voulais la gripper. C'est pas grave. Où est-ce qu'on va là? Je suis complètement perdu. Non, attends. Là c'est le... Qu'est-ce que tu fais? Ça c'est pour l'eau. Non. Oui, c'est où on a remis l'eau, c'est le barrage. Non, non, nous il faut qu'on remonte du coup. Voilà, là. Ça, on a fini avec ce... Le destruit, ouais. Maintenant, on peut monter. Il n'y a plus le machin qui balance des rochers. La voie est libre. Mais t'as vu que ce dragon a les écailles qui tremblent. Quand nous approcherons du dragon, ce sera lui ou nous. C'est compris? Oui, père. Bah, avec de la chance, ce sera lui. Allez. Allez, c'est parti. Atreus, tu peux monter? Attention derrière, mon frère. What? Atreus, c'est pas avec moi. Hein. Atreus est pas avec moi, trop bien. Putain de merde. Atreus. Il est où ce con de gosse? Attention.
Merde. Nique-toi. Et ce putain de gamin, il est où? Putain, on avait super bien joué. Atreus, je crois qu'il est bloqué. Parce qu'à un moment, on a vu qu'il tirait des flèches super loin. Et je crois qu'il pensait... Genre comme s'il était engagé, en fait. Bon, au moins, on combattra avec lui, là. Ça va, ils sont fun, les dragons, à combattre dans celui-là. C'est pas très difficile. C'est très mal, en fait. T'es là maintenant? C'est trop bien. Ouais, toi. Gamin. Allez! Tire pas! Ouvre l'œil! Voir la vie qui descend? Non, même pas. Les tirs, bordel de gamin! Ah, la barre, elle redescend. Ça, on aurait pu lui faire tomber, quoi. Merde. Relâche-vous, espèce d'enfoiré. Ok, cool. Attention derrière, mon frère. Putain, le dégât qu'on lui met. Yes. Et cet ogre n'est pas prêt de se relever non plus. Je peux entendre les animaux. Ils sont soulagés. Peut-être qu'ils sortiront de leur cachette. Ah, il nous a rien fait, hein. Nous avons efficacement réduit la population draconique de ce cratère. J'entends déjà la différence. Les animaux de proie, ils sont beaucoup moins terrifiés. Il nous a pas touché une fois, je crois, là. J'aimerais que les dragons prenaient plaisir à voler des corps. Nous avons rencontré cette créature après avoir vaincu deux ogres. Alors que je venais d'abattre le second, ce dévoreur de cadavres s'est emparé de sa dépouille et s'est envolé avec. Nous l'avons poursuivi, je n'ai que faire d'un ogre mort, mais il n'y a aucun honneur à voler la proie d'un autre. Bon bah c'est cool. Je crois que le Kourou faisait quand même extrêmement mal. Je pense que le bijou aide. Celui-là, là, le don du Kourou, peut-être. Alors, saut de mort. Les attaques au corps à corps, à la hache et avec les lames contre des ennemis marqués d'un saut ont une chance élevée de générer une explosion de saut élémentaire supplémentaire. Grâce à ce bonus, frapper des ennemis marqués d'un saut est plus bénéfique. Ok. Bon ben,
Bah déjà c'est bien, on s'est débarrassé du dragon. Oui, et le coup de siphonner, je crois que ça casse un bout de lame dans le corps d'un ennemi. Je crois ça, là, non? Non, peut-être pas. Non, j'ai rien dit. Alors. Je voudrais revenir vers les... Ouais, on a tout ça à faire. Ah ouais, non mais merde, je vois pas la map. Alors, c'est celui-là. Je voudrais juste revenir vers Brock et après on s'arrête là. Mais ça va, ça se passe super bien là. Machin, on les défonce et tout. Très bien. Le courroux est très efficace. Très content. Ce qu'il nous faudrait à la limite, ce serait des nouvelles runes intéressantes. Mais bon, je sais pas. Ça va être difficile hein, d'avoir d'autres runes aussi utiles que ce qu'on a là. Laisse-moi améliorer ta hache, me dis. Ah. Je supporte pas de la voir dans cet état. Maintenant, va faire tomber des têtes. Ah, très bien. On a ça. On peut l'avoir aussi. Je pense qu'on va le faire, parce que honnêtement, c'est vachement bien. J'ai pas regardé le prix, putain, c'était cher. Ok, très bien. La lance, on peut toujours pas. Par contre, on peut faire ça. 12 000. Ah, mais ça va, on a plein d'argent pour une fois. Celui-là, oui, non, celui-là, il est bien. Donc celui-là, il mérite. Nickel. Bouclier. Bouclier, on peut toujours pas. Par contre, ça... Oui, ça, on peut, mais... Est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien. Je préfère attendre pour le bouclier. Ah merde, si l'armure. D'autres trucs. L'armure. On est niveau 7, c'est ça. Alors, tu as fait ton choix. Yes. Parfait. Pour l'armure, phase ardente 1 sur 2. Ah, on peut faire... Ah oui, non, mais ça, on pouvait le faire, je crois, déjà. Celui-là, non. Celui-là, on peut. Vestige trempé. Le faire passer à 9. Parce que c'est vraiment utile de faire passer ça à 9. Vestige trempé. Pourquoi pas. De toute façon, c'est ce qu'on utilise. Donc bon, autant y aller, quoi. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. Parfait. Et là... Merde! À chaque fois. Vendre. Souvenir d'esprit. Poème. Très bien. Il était temps que je m'occupe. Bon, ben on est bon. On peut créer des nouvelles ressources, genre pour les armures. Non, on peut pas. Non.
Bon, bah on a bien avancé. On a très bien avancé, on a augmenté tout ce qu'on pouvait pour le moment. Quoi ? C'était juste pour voir ? Ouais, on a augmenté un peu notre vie et même notre rage, du coup. On voit que ça a augmenté. Très très bien. Donc, amulette. Donc, alors, attendez. On va faire comme ça. On va bien mettre ça dans l'ordre. Esquive. Emblème d'esquive. Honnêtement, je me vois pas jouer sans ça. Je sais qu'on peut le faire, hein, mais bon. Moi, je me vois vraiment pas jouer sans ça. Après, on avait le courroux qui était amélioré. J'avoue que c'est pas mal. Ouais. Ou alors, on met que des stats. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Ou alors, mais ouais, deux trucs de stats, mais bon. Rage partiel. L'onde de choc provoquée par l'activation du coup consume les états. Non, ouais, je pense que ça, c'est bien. Et là, je dirais pas non. Alors, vitalité, on a quoi ? On a 20. Non, enfin, on a 12, pardon. Là, on a 12. Je regarde des trucs, des stats qu'on aurait, genre, haut. Je crois qu'il n'y a que le renouveau qui est vraiment très élevé. Renouveau 20. Faut voir si ça aide, en fait. Genre là, on est à 50 secondes et putain, c'est top. 50 secondes, 100 secondes, 66. Ok, si je fais ça maintenant. Hop. 46 secondes. 46 secondes et après 91 secondes. Plus on fait les attaques de toute façon, plus on a de la chance de générer des pierres, plus ça nous soigne, etc. Donc plus c'est puissant aussi. Ça peut être intéressant de mettre ça. Je vois pas d'autres choses intéressantes. Le regain de santé là par élimination runique, honnêtement c'est très très bas, c'est nul. Le vol de vie, bah, c'est embêtant parce qu'il faut prendre des pierres pendant qu'on combat. Et des fois, bah, c'est pas pratique. Et après, voilà. Taper sur les ennemis étourdis, comme j'ai dit, on les laisse pas vraiment étourdis. On les maintient pas étourdis. Le saut avec l'explosion, ça, je le fais jamais. Remettre de Bifrost, Mastécier, non. L'œil vif, non. Non, après, c'est juste des stats. Ce qu'on pourrait faire, l'ami, c'est de la vitalité. Est-ce qu'il n'y a pas vitalité et... genre renouveau. Vitalité et renouveau. Vitalité 9. Je vais voir. Je vais voir un peu... Ok. Je regarde le... Merde. Le changement de la taille de la vie, en fait. Genre, si on met... Genre ça. Là, c'est avec la vitalité. Là, c'est avec la défense. Qu'est-ce que je viens de faire ? Ah, mais on l'a déjà... Putain, mais je suis con. Pardon. Ouais, déjà... Attends, mets-toi là, toi. Celui-là, vitalité, pouvoir unique, vitalité 10. Vitalité, renouveau. Vas-y. Ouais, on gagne encore un peu de vie. 49 secondes. 98 secondes. Non, je préfère le renouveau 20 là. Non, c'est top en fait. Ouais.
Voilà, on va s'arrêter là. On a baissé un maximum les trucs. Putain, si on peut avoir du renouveau à 175, la vache. Hein, ça tue. Je vois pas comment. Je vois vraiment pas comment, putain. Je sais pas si on peut, en fait, pour nous, à ce moment du jeu, là. Non, mais t'as, Tim, t'as vu les stats qu'on perd, mais laisse tomber. Ah oui, on voulait regarder ça. Le talon du soldat. On va voir. Et après, on s'arrête. Je regarde les... Allons-y. Si on l'augmente au niveau 7, là, c'est quoi, c'est ça? Ah non. Non, on peut pas augmenter ce, le normal, en fait, d'accord. Non, mais nous, on restera avec celui-là, il est top. Et après, si on utilise celui-là, je vais voir, on peut aller jusqu'à... Putain, on peut aller jusqu'à 6. J'ai pas assez d'os pétrifié, en fait. Si on arrive à 8 ou 9... On gagne du renouveau, de la rune et un peu d'attaque. Non, pas intéressant. Pas intéressant du tout. Oh, alors je suis pas assez bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était un peu long là sur la fin parce que je voulais juste regarder l'équipement. La prochaine fois, on va continuer. Bah ici, hein, on va continuer. Il y a encore plein de trucs à faire. On a encore des quêtes avec les esprits. On a chasse au dragon. Il manque encore un dragon ici apparemment. Serre des 4 saisons. Ah, peut-être il faudrait... Pff, ouais, mais j'ai pas vraiment envie. Faudrait retourner, en fait, c'est Sindri pour parler à l'écureuil, peut-être. Mais j'ai peur que ça active le reste de l'histoire, en fait. Donc je préfère finir tout ici, puis après on reviendra. On parlera sur Sindri. Ouais, mais ouais, je suis très content. Les plaines sont vraiment fun. Les plaines et la jungle, hein, c'est vraiment, vraiment cool. Voilà. Sinon, on a bien augmenté, on est devenu encore plus fort. À la prochaine, ciao ciao!